Hep tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour le deuxième épisode de Resident Evil 5 Gold Edition. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien installés. Comme d'habitude, on est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble. Allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à bouire. Mettez-vous dans l'ambiance et comme d'habitude, je m'occupe du reste. Alors on va tout simplement commencer. Joli timbre de voix, monsieur. Très bien, chargement récit, on va continuer la partie. Il veut bien. Continuez. C'est exactement ça. On est parti. Oui, mais, hé, hey, oh. T'as fini, ouais. Solo, fous-moi la paix. Bon, on a rien dans l'inventaire, on a rien dans le trésor. On a ce qu'il nous faut ici. On n'a pas beaucoup de munitions, mais on va dire qu'on est prêt. Ah, attendez, dans acheter. Qu'est-ce que j'ai comme thune, moi? 1300? Ouah, j'ai que dalle, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on est prêt, on est parti. Oui. Kirk, we owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Roger that. Ok. Going on ahead. We'll meet up there. Good luck. Très bien. Donc, souvenez-vous, on était arrivé dans ce petit coin de village, on avait éclaté toute une ribambelle de petits bonhommes. Il y a un truc qui me chiffonne de fou. Il me semble qu'il est censé y avoir une mallette avec une arme ici. Est-ce qu'elle n'est récupérable que pendant le combat? Est-ce que j'ai merdé comme ça? Parce que genre, je savais qu'elle était là, et je me suis dit, bah, en fait, je voulais me concentrer pour buter le boss là, pour essayer de récupérer quelque chose. Finalement, j'ai même pas eu le temps de le buter. Et, bah, a priori, la mallette a disparu, quoi. J'ai entendu un bruit bizarre dans mon casque, je sais pas si... Si je deviens fou. C'est vide, allez, tout ça pour ça. Écoutez, on va fouiller un peu, à la manière de Resident Evil 4, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour franchir, on s'en fout. Donc on va toujours bien fouiller pour essayer de récupérer un maximum de munitions, d'objets. Mais s'il s'amuse à les faire disparaître une fois que l'animation est passée, ça c'est chiant par contre. Parce que là, il y a l'air de rien avoir du tout, quoi. Écoutez, on va redescendre par là. Ça a l'air un peu vide, hein. Ah, c'est embêtant, ça. Et là? Non? Ouais, non, c'est juste une caisse. Une caisse comme ça. Alors, on va fouiller là-bas. J'espère qu'il va y avoir quelque chose ici. Mais enfin, il y a tout qui est vide ou quoi? C'est du foutage de gueule. Se fout de ma gueule. Ou alors c'est elle qui a tout ramassé. Non, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Écoutez, je vais pas perdre 10 000 ans à fouiller partout non plus. Ici, on avait récupéré toutes les munitions, je crois. Je sais pas. Peut-être que le fait d'avoir sauvegardé... Je sais pas. Bon, bref, on va continuer, de toute façon, on va avancer. Là, il doit y avoir des choses à récupérer, de toute façon. Ah bah voilà, suffisait de demander. Hop. Et on recharge direct, comme ça on est bon. Alors, j'espère que je vais réussir à m'y faire au contrôle clavier-souris. Parce que, comme vous le savez, j'ai pas l'habitude. Mais on va s'y faire. Je me demande s'il y avait pas un truc à récupérer ici. Ah, là-bas. Ouais, bah on peut arriver de l'autre côté, donc on va pas gâcher des munitions. Non, hop, voilà. Là, ça va être beau quand je vais me faire courser et que je vais me tromper de touche. Alors, Sheva, tu es là. Bah voilà le trou. Nickel, de la thune. Et on a tout. Bon, allons-y alors, hein. Ça craint tout ça. Ça cause au loin. On entend que, à mon avis. Ça va encore casser des gueules, hein. Bon, allons-y. Ah ah, ça c'est pour moi.
Allez, prends-les ceux-là. Quand même, on va essayer de partager un maximum. Attends. Sérieux, on peut franchir ici, y a rien. Y a rien d'autre. C'est une vanne. Alors, c'est quoi l'histoire? Ouais, voilà. Je peux l'envoyer là-haut peut-être. Hé, hey, cocotte. Ah, il y a une clé, hein. We can't get in from here. Ah, pas par ici, ok. Ah. Hop, on va essayer de maximum utiliser pardon les coups de Chris pour économiser des babales. Hop. Voilà. Ah. Il est vraiment tombé juste devant moi celui-là. Ouais, mais calme-toi, Choupette, tout va bien. Ah. Ah. Hop, un petit direct. Vous m'excuserez, je suis méga concentré quand même, hein. Je parle pas des masses, hein. Hop là! Très bien. Ok. Ouah, il m'a fait peur, l'enfoiré! Je me suis chié dessus. Hop. C'était bien joué. Petit enfoiré. Ok. Ici ça a l'air d'être la suite. Mais attends, parce que du coup il y a l'échelle ici. Tu veux monter là? Est-ce que tu sais seulement? Est-ce que c'est par là que tu dois aller? Bon, elle fait le taf. Moi je vais essayer de récupérer ce qu'on aurait pu oublier. Oui d'accord, ouais, c'est elle qui l'a eu. Font peur à gueuler ceux-là. Ah, je me trompe de touche. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ah, c'est un enfer, hein. Elle a rien à donner. Elle a rien à donner. Mais t'es pas en forme toi en fait. Attends. Thanks, partner. Ouais. Toujours pas en forme, mais on va y arriver. Vous voyez, c'est pratique quand. Je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent pas évidemment, quand on a un spray comme ça pour se soigner, si on l'utilise en étant tout près de l'autre personnage, on soigne les deux en fait. Voilà. Et ça. C'est bon à ça. Oh, salaud! C'est pas permis! Salopard! Ouais, par contre, faut pas que je le termine quand il est à l'extérieur parce que j'aimerais bien récupérer son loot. Non, 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 Sheva! Mais t'es débile? Ma parole. Est-ce que je peux récupérer de dehors? Écoute, Sheva. Non, arrête de gâcher tes balles. Tiens, prends ça. Voilà. C'est une vanne, il a rien à donner en plus. C'est
ta faute, hein, ça. Ah, on peut pas passer par là. Par où on doit aller? Ah oui, on doit faire le tour par là, peut-être. Ouais, d'accord. Oh là là, je le savais en plus, je m'en souvenais. Hop là, dans les chicots. Sheva, elle en a rien à foutre, hein, elle fonce dans le tas. Hop là. Bah alors. Ah, il me semblait bien. Tu veux bien crever, ouais, un jour. Mais je fais n'importe quoi, j'en ai marre. Ça, si ça continue à m'embêter longtemps comme ça, que j'arrive pas à m'y faire au clavier, franchement, je brancherai une manette, hein. Je sais que c'est mieux pour les jeux de tir parce que c'est plus précis, mais bon. Je suis une teub et ça, il faut pas l'oublier. Je les prends les balles, hein, parce qu'elle, de toute façon, elle tire un peu n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Des balles de pompe. Ça veut dire qu'il y a du pompe qui va arriver à un moment. Hein. C'est vide. Ok. Bien ça. Je vais lui laisser parce que moi j'en ai un. Et elle pourra nous soigner. J'espère qu'elle va pas le claquer maintenant sur elle. Quoique elle serait en forme comme ça, mais. Alors. Une porte ici. Oh mais allez, sérieux. Pourquoi ils se cachent tous dans les cartons là? C'est une vanne? Une vanne? J'en perds mes mots. Hop, allez, les deux d'un coup, ça dégage. Bah alors? Eh bah alors? On a chu? Voilà. Efficace. Par contre, ils ont vraiment rien à donner, hein. Je me trompe de touche. Voilà. Eh ben dites donc. On va aller chercher la cocotte là. Oui donc attendez, on a une clé et c'est pas pour rien. C'était un truc qu'on pouvait tout à fait louper. C'est ici. Utiliser clé. C'est très important. Parce que c'est là qu'il y a le pump. Et évidemment on va le prendre pour nous. Sheva se débrouillera. De toute façon les thunes elles sont partagées. Donc ça on s'en fout, on peut tout prendre. Alors donc ça fait que... pour équiper ça, mais on va garder. On va garder, on va économiser. Parce qu'on en aura forcément besoin plus tard. Je sais que la petite dame est en détresse, mais on va fouiller. C'est quand même important de rien laisser traîner. Ça c'est pour monter. Des cartons. Ah, vous voyez ? Eh, hey, on fait bien, hein. Du coup, tiens, prends ça. Ouais, ouais, reload, si tu veux. Pas besoin de gueuler. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Si on peut monter, c'est qu'il y a forcément quelque chose, hein, me semble-t-il. Ah, sérieux, je peux pas... Ah, un œuf, elle l'a pris. Très bien. Mais écoutez, on va descendre. Et on va aller voir ce qui se passe là-haut, quoi. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Chris!
Elle est charmante celle-ci. Oh oh. D'accord, comme les Plagas. Aïe aïe aïe, ça fait mal hein. Je suis en train de vider tous mes chargeurs dessus, j'aimerais bien qu'elle crève un moment. Aïe aïe aïe. Oh 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 oh. Merde, elle s'est soignée toute seule. Ah non, ça va. J'ai vraiment cru qu'elle allait le faire toute seule dans son coin, quoi. Ah, tu m'incites, hein. Voilà, y a pas besoin. J'ai pas besoin de fusil à pompe, moi. Voilà, t'as tout compris. Ouais, pendant que je me trompe de touche. Allez, hein. Oh, sérieusement. Bon, bah ça, c'est une élimination. Je l'ai vu un peu tard. Non, sûrement pas. J'en peux plus de ces touches à la con. Allez, hey, prends-le. Bah ouais, good work. Oh, sérieusement. Oh. Ça doit être une catastrophe à regarder pour vous, hein, en vrai. A chaque fois, je loupe l'occasion de lui mettre un crochet et dès que je veux appuyer, en fait, je peux plus le faire. Donc, faut que j'entraîne mes réflexes, là. Et que j'arrête de me tromper de touche parce que j'ai des touches trop proches qui me font faire n'importe quoi, hein. Faut que je retienne que je peux changer d'arme facilement comme ça, ici. Ça, c'est pour prendre les balles, je m'en fous. Ok. J'ai les raccourcis. Faut que je les retienne. Oh, 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 j'allais louper ça, sérieusement. Des trésors, et vous verrez, c'est très important aussi, forcément. Ça craint. Vous allez comprendre pourquoi j'essaye vraiment d'économiser les balles de pompe, parce qu'on va peut-être en avoir besoin bientôt. Hop. Putain, j'en ai marre. Je ne sais pas quelle touche je touche en fait. Je sais pas quel bouton je touche pour qu'ils prennent les objets. Ça me fait chier. Oh, ça c'était joli. Par contre, ça c'était joli. Y a rien à dire. Alors, y a moyen d'aller par là-bas. Y a peut-être bien quelque chose là-bas aussi. Ah ouais, d'accord. À mon avis, on peut pas aller par là. Allez, oh Chris. Tellement énorme qu'il se bloque partout. Ouais, c'est bloqué. Donc il faut faire le tour par là-bas. Ben, voilà. Ok. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, mais... En tout cas, je l'ai fait. Allez, on est go. Sauvegarde en cours. Et qu'est-ce que c'est que ce pin, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça sent la merde, pour être 100% honnête. Toujours à la droite. Le rat. Il nous guide, le petit filou. Du coup, il n'y avait rien à récupérer ici. Ouais, ça fait beaucoup de rats, hein. C'est de là que le bruit venait. Oh. Ça fait un peu peur. Vas-y, prends-les.
Un membre de l'équipe Alpha, il est mort. Très bien. Comment je sors de ça? Ouais, c'est étonnant. Bon bah on monte, hein. Faut que j'observe un... je ne sais plus parler. Faire tomber. Ah! D'accord. Je disais, faut que j'observe un peu parce qu'il me semble qu'il y a des systèmes de médaillons aussi, un peu comme dans, dans le 4. Des trucs à récupérer en tout cas. Je prends un peu quand même. Qu'est-ce que t'as comme munition toi? T'as rien du tout, hein. Donner? Je peux lui donner la moitié? Ah bah oui, ça lui donne ça, ok. C'est pas mal en vrai comme ça. Elle a des grenades quand même, hein. Je vais prendre celle-là. Grenade incendiaire. Ça me paraît bien. Non, je vais reprendre. Mais pourquoi? C'est dingue ça. C'est plus les mêmes raccourcis là? What the fuck? Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais ça va le faire. Ouais, non, mais il y a un méga coffre en fait. Si. Ouais, il est tombé lui. Il me dit sauter, mais quoi sauter? C'est sauter en face? Ah ouais, ok, nickel. Génial, de la thune. T'étais pas obligé de me suivre, cocotte. Waouh. Voilà, on est go. What the hell happened in here? Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Bien. On va donc transmettre les données. Il me semble qu'on commence à avoir pas mal de thunes. Ce serait intéressant de pouvoir voir ce qu'on peut acheter avec ça. Alors. Bien, on peut descendre par là directement, d'accord. Et on descend. J'aime pas descendre dans les profondeurs comme ça, hein. En plus, ça donne énormément de munitions. Ça pue, moi, tout ça, je vous le dis. Ouais, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Je crois que je sais ce qu'on va se prendre sur le coin de la tronche. Il faut une clé. Très bien.
Très bien, un incinérateur. Je me souviens. On a droit à des bonbonnes comme ça. Ça rappelle un certain boss aussi dans le 4, hein. On fait du réchauffé, les gars. J'avais plus trop d'idées. La clé est là-bas par terre et à l'instant où on va la prendre, on va se faire casser la tronche, hein, je crois. Ne prends pas ça, hein, Choupette. Pas tout de suite. Alors, on va partager ça équitablement. Thanks. Équitablement, j'ai dit. I need ammo. Use this. Oui, stop, calme. Mais calme-toi. J'ai pas besoin de tout ça. I owe you one. C'est dingue ça. Thanks, partner. Et je te demande juste ça. Take this. Mais elle est complètement conne, hein, celle-là. Je comprends rien du tout. Pourquoi est-ce qu'elle me donne tout? Débile. Écoute, Thanks, tu prends ça et c'est tout. Voilà. Et on n'a pas le choix. Ah, plutôt calme. Est-ce qu'on a du soin? On va se soigner à fond pour commencer. Ah, elle est là, un mélange. Ah, mais non, on va utiliser ça, hein. Ouais, voilà. Elle est chiante à soigner, j'ai l'impression que sa vie remonte pas à fond, quoi. Après, qu'est-ce que ça fait, ça? Ces bonbonnes de gaz semblent faciles à renverser. En plus, c'est vraiment le même principe, quoi. Bon. Ça va bien se passer. That's what got Alpha Team. Hop, pas gâcher ses balles, bande de zébulons. On va aller directement là-bas et on va utiliser le décor. Sheva, tes balles. Hop. Par contre, sois pas silence, s'il te plaît. Hop, et de une. Ok. Ok. Un peu proche. Ok, j'étais peut-être un peu proche. Je sais pas si on a pris des dégâts. Ok, on dirait pas. Par contre, il a des trucs sur lui. Est-ce que je peux... Ah ouais, non, voilà. On va essayer de bien faire ça, hein. Je crois qu'on a un trophée si on le bute comme ça, hein, mais il y a moyen de le mettre dans l'incinérateur forcément. Ouais. On voit ses points faibles, hein. Hey, regardez ça. En vrai. Est-ce que c'est pas mal?
sais pas si c'est une bonne idée de faire ça au cut, hein. Ouais, non, attendez, il est solide quand même, hein. Quel enfer. Et vous savez quoi, on va utiliser le bazar, hein, je crois. J'aurais bien voulu faire le beau jeu, mais on est surtout en train de gâcher nos balles, quoi. Attendez. Bah. Ah, il s'est dépop. Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Oh oh, il trace. Ouais, mais non, il est déjà sorti, hein. Ouais, bien sûr. Pourquoi j'ai fait ça? Come on! Oh, 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 c'était limite. Ah, merde. Poupette. On a bloqué Sheva. Écoutez, dans la panique, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. En plus, j'ai galéré à trouver la touche et apparemment, elle aussi. C'est pas grave, on avait utilisé nos balles comme un abruti. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Attendez. Organiser. Trésor. On va vendre ça. Vous voyez? Et ça, ça fait des thunes. Pourquoi tu l'as pas vendu? Ah non, c'est juste pour montrer qu'on l'avait eu. Ok. On peut vraiment prendre ça, ouais. Est-ce que je lui en prends un? Ouais, y'a pas besoin, hein. En vrai, y'a pas besoin, je suis prêt. Oui. On garde les thunes de côté. On a les clés. On va pouvoir aller. On va faire ça bien, vous tracassez pas. Là, on va utiliser tout le décor à fond et économiser les balles. Comment je passe ça? Comme ça. Hop. Ouais, voilà pas qu'elle lui dit recule, elle. Elle est marrante. On l'attend tout simplement, calmement. On va déjà le renverser en vrai. Ah, l'animation qui m'emmerde. Ça va, ça a retenu ça comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ok, ça a pas marché cette fois-ci. Mais comment ça? Ok. On va déjà renverser ça. Ouais, ouais, c'était surtout pour toi, hein, à vous. Vite. On peut pas le prendre. Oh bah tiens, hein. Je sais pas si ça lui a fait des dégâts, j'ai peut-être fait le con. Ok, ça va. Je vais lui mettre ça dans les dents. Bien, Sheva. Non, mais sérieux. Avec un peu de chance, il va réapparaître dedans, mais... Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà ce que c'est que d'espérer. Ok.
Hop, hop, hop. Allez, Zébulon. Putain, pourquoi on voit plus rien? Il arrive? Il a pas envie de venir? Il est chiant à faire ça. Est-ce que tu vas y arriver? Pourquoi elle l'a pas fait? Vas-y. Ouais ouais, vas-y. Yes, là il est dedans. Ça c'est bon ça, il suffisait de lui demander de le faire en fait. Normalement, un suffit, hein. Faut pas déconner. Hein. Ah! Adieu, Zébulon. Très bien. La pizza est prête. Et ouais, c'est ça le problème. On l'a cramé. Donc, y a rien à récupérer. Ça, ça m'embête. Tant pis, hein. À deux doigts de recharger la partie juste pour l'avoir comme ça, hein, mais je sais pas si j'ai assez de munitions. De toute façon, on l'aura eu. C'est ça qui compte. J'ai plus de balles. T'as pas des balles pour moi, toi? Bah non, t'as tout claqué, hein. Forcément. Tant pis. On se casse. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Plein de balles. Ça, c'est pour moi. Hein. Allez, prends cela. Okay. Je suis gentil. Je suis un gentil mec, moi, quand je veux. Et voilà. I got it. What was that thing? A B.O.W. that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Eh bien, c'est un chapitre terminé. Vous avez entendu, il a fait le lien avec les Ganados. Dans le rapport de Kennedy, il parle évidemment de Leon, de Resident Evil 4 forcément.
pouvez consulter les dossiers sur le BSAA dans les archives. Ok, précision 81,9%, c'est pas trop dégueulasse, c'est même le rang S. Ennemi vaincu 21, c'est le rang S. Mort une fois, et ouais, je suis un nul. Temps 32 minutes, et bah c'est parfait. Ça me paraît très très bien pour un deuxième épisode, c'est très bien ça. Ok. Ok, ok. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a de nouveau à acheter ? Pas mal de choses, voilà, c'est ça qu'on avait loupé. Et on a le gilet de combat. Est-ce qu'on prend ça ? Est-ce que c'est intéressant pour le moment, en vrai ? Ou est-ce que je garde des thunes ? Ou est-ce que je vends un truc ? Aussi. Mais de toute façon, j'ai pas de munitions pour ça. Il y aura des choses qu'il faudrait améliorer aussi. Comment est-ce qu'on améliore ? Améliorer, voilà. Ça, ça m'intéresse déjà mieux. Ok. Alors, on va améliorer ça. On va s'amuser à améliorer ça, parce que ça, c'est important. Est-ce que je peux faire comme ça ? Non, là, on peut plus. Là, on peut. Là, on peut. Pas assez d'argent. Ouah, ça descend vite. Ça descend vite, on a claqué toutes nos thunes dans le flingue de Chris, mais écoutez, je pense que c'est une très très bonne chose. Donc on va pouvoir rester comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, à plus !